La manique pour tous. Maintenant, nous le faisons et nous utilisons les moyens de communication comme Twitter avec le hashtag on ne lâche rien, la manif pour tous. Un petit jingle, le Kikovest, tu l'as à Moselle. Après la mi-novembre, début décembre. Je suis responsable de la manif pour tous pour le département de la Moselle. Alors pourquoi encore cette mobilisation aujourd'hui samedi? Alors en plein milieu du débat parlementaire, pour nous il nous semble vraiment important d'inviter les députés à bien réfléchir à leur vote, notamment à pouvoir voter en toute liberté de conscience et d'autre part de bien voir le problème des questions qui se posent sur le droit des enfants. Nous, on veut vraiment donner la voix aux enfants, qu'ils aient. On veut défendre l'égalité des droits pour tous les enfants, que les enfants aient droit à un père et une mère. Et dans ce projet de loi actuel, ça va absolument créer une discrimination entre les enfants, et nous y sommes fortement opposés. Alors, il y a d'autres messages forts que vous voulez faire passer aujourd'hui? L'autre message fort, comme le fait que nous sommes tous de plus en plus mobilisés. Les personnes qui se sont mobilisées au début sont rejointes par de nombreuses autres personnes. Et nous sommes vraiment dans un esprit de bienveillance. Nous ne sommes pas du tout homophobes. Nous sommes contre l'homophobie. Nous voulons vraiment nous battre contre l'homophobie. Et nous voulons vraiment que les personnes qui se sentent blessées par d'autres démarches ne le soient pas, parce que nous avons tous dans nos proches ou dans nos amis des personnes qui sont homosexuelles et qui sont contre ce projet de loi, des personnes qui sont homosexuelles et qui ne demandent pas à singer le mariage comme les couples hétérosexuels. Et ça, pour nous, c'est très important de le redire aujourd'hui avec force et avec simplicité. Voilà, nous sommes vraiment ici pour faire un rassemblement convivial, joyeux, mais déterminé pour vraiment faire passer le message auprès du gouvernement et auprès des députés. Alors si ça ne bouge pas encore, vous êtes prêt encore à vous mobiliser davantage? Oui, tout à fait. Il y aura une manifestation de nouveau nationale par la suite si on n'est toujours pas entendu. Bonjour monsieur, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous faites signer cette pétition? Tout simplement pour saisir le CESE, qui est une entité au niveau du gouvernement qui s'appelle le Conseil économique, social et environnemental, lequel étant saisi aura une réflexion complémentaire. Voilà, ce qui permettra de prendre le temps et de ne pas être dans la précipitation. Alors ça oblige à avoir un certain nombre de pétitions dans ce cas-là? 500 000 pétitions sont attendues. Et vous êtes confiant? Extrêmement confiant. Si nous étions 1,2 million à Paris, avoir des pétitions, à mon avis, c'est pas du tout un souci. Alors aujourd'hui, vous avez commencé à les faire sur la place de la République? Tout à fait. Donc personnellement, je tourne depuis un quart d'heure et j'ai déjà pris 10 pétitions en allant à l'extérieur, du noyau des personnes qui sont là pour manifester. Parce que tous ceux qui sont au centre ont déjà envoyé leur pétition. Et nos projets! Est-ce qu'il faut que je vous rappelle ce projet pour lequel on est là? On n'en veut pas! Pourquoi êtes-vous mobilisé, vous également, ici, place de la République à Metz? Bah, parce que déjà, je représente le Front National, mon mouvement, et nous sommes opposés au mariage pour tous, donc ça me paraît tout à fait légitime de manifester avec tous les opposants à ce projet néfaste envers la famille dite traditionnelle. Voilà. Donc c'est votre manière de défendre cette famille traditionnelle pour vous?
Non, la manière, c'est une des manières, puisque de toute façon, le combat, il est politique. Il est au Parlement avec nos députés. Il est dans la rue avec les Français. Voilà, donc c'est une des formes de manière de défendre cet élément essentiel de la civilisation, qui est la famille, avec un papa, une maman, un enfant. Il y a des revendications supplémentaires au niveau du Front National en ce qui concerne la famille, justement. On a toujours défendu la famille. On vous laisse 30 secondes pour prendre votre portable dans toute la beauté de sa famille, dans l'aide aux familles. Mais déjà là, on est sur cette loi-là, on est contre ce projet-là. Et c'est déjà beaucoup pour l'instant. Droite, de gauche.